Yep. Coucou pupus. Comment ça va? Ça va. Je suis en train de lancer le stream tout doucement. Je vais mettre le casque de façon à t'entendre aussi. J'aurais mis du thé. J'en ai mis de l'infusion même. Ah, c'est cool. Je suis pas en train de tout de suite. Je vais attendre que le mien me descende par contre. Est-ce qu'il y a une tasse usagée de ton côté? Nope. Ah si, mais une tasse à café. C'est pas grave, c'est pour mettre... Tiens. Tasse de ce matin. C'est le jeu, il n'y a pas de générique, donc du coup j'attends un petit peu avant de lancer. Sèche. Ah oui, je l'avais mise à sécher ce matin sur le radiateur pour qu'elle finisse de bien sécher. C'est bien, il y a des gens qui arrivent qui nous entendent discuter de ma robe en laine. Ouais. C'est magnifique. C'est... Ce stream est... C'est pas grave, j'assume. Hein. Allez, on va lancer Limbo tout doucement. Coucou Syl, comment ça va? Est-ce que les discussions à propos de ma robe en laine ne sont pas trop gênantes? Alors, oh. Mais puis ça va pas gêner les gens, ça va plus les barber. Non, si on parlait de rasoir, ce serait barbant. Enfin, ce serait plutôt débarbant. Ouais, ce serait rasoir du coup. Ouais, voilà. Alors, comment on fonctionne? D'accord, il y a déjà un bouton pour. Ouais, ça va un peu mieux. Du repos, quoi. Et toi, ça va? Out, out, quoi, là. Out, out, comment ça va? Coucou, princesse. Oups. J'ai oublié de sauter. C'est fâcheux. C'est létal. Pour accrocher les objets. D'accord, c'est simple au moins, il y a deux boutons. Un pour accrocher et un pour pas accrocher. Je préfère y aller... doucement. Il n'y a pas de musique dans ce jeu, c'est... Ça va faire bizarre d'avoir un stream sans musique, faut voir le bon côté. Stream sans musique, pas de problème de droit d'auteur. Oh. Oh là. Un bateau. C'est relaxant au moins. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, vous avez le droit d'en faire quelques-uns, mais ouais, pour en abuser, vu que ça va être du die and retry. C'est comme si tu me fais rip run quand je fais du Volgar. D'accord, en plus il est une détente de hamster mort. Sauf si le bruit d'éveil a été déposé, en effet. Ils en seraient capables, hein. Non, mais on va arrêter de s'amuser trop avec ces histoires de droits d'auteur à la con. Ok, il faut que j'arrive à atteindre ça. Ouais, en gros, elle va pas être trop là.
non, je peux faire comme ça. Moi, je la vois son épée. Non, ça c'est pas simplement parce que le chat y plante, hein. Parce qu'on est sur Twitch et que sur Twitch, des fois, les gens perdent leur épée. C'est magique. Ah putain. Ouais, j'espère que ça va pas être. Oh là. Ça sent. Le truc qui fait mal. Ouais, bah j'espère aussi pour toi, princesse, parce que c'est vrai que ce serait relativement totalement relou. Puis surtout, je pense que tu préférais lourdement te reposer au lieu de te lever à pas d'heure. Alors là, des trucs sur quoi je connais déjà parce que j'avais vu que Colette faire son speedrun. Coucou Fantasma, comment ça va? Ça va pas assez vite en marchant, je vais sauter. J'aime pas quand ça va pas vite. Ça me stresse. Oh! Esquive! L'environnement est quand même hautement hostile. Pour l'instant, ça va, c'est hostile, gentillet, mais c'est hostile. Et c'est vrai que c'est vachement oppressant cette absence de musique. Pour moi qui aime tout le temps avoir de la musique sur mes oreilles, je trouve ça dérangeant en fait. Étrange. Inhabituel. Ah, c'est ça, c'est tellement de calme que je comprends pas trop comment faire ce truc. Non! Je vais pas y arriver. Son appel se noyer dans un verre d'eau à ce niveau-là. Hein. Mais qui n'en a pas, Fantasma? Qui n'en a pas? On est sur un truc que j'aurais raté. Corde là. Si c'est pas en y allant en frontal,
Il y a forcément un piège. Tout ce qui me dit que ça, c'est une mauvaise idée. En effet. Donc note, on ne redescend pas façon jeu de plateforme à la con. On ne redescend pas à la Sonic ou à la Mario. Aïe. Coucou Spifounette. Il y a beaucoup de monde qui live ce soir, j'ai l'impression. Ouais, j'ai aussi du mal à accéder à Steam, ça peut te rassurer, quoi, là. Il y a un truc en hauteur là. Bon, je sais pas comment y accéder. Ah, c'est passé. Bon, en tout cas, le bon côté, c'est que les commandes répondent quand même assez bien. Ok, alors ça craint. Ce piège à ours, je sens qu'il craint. Ouais! Ah, c'est violent! Ouais. Bon. Je pense que je vais avoir besoin de l'espèce de piège à ours. Ma question, c'est comment choper ce piège à ours? La toute petite, hein. Ok, pour choper le piège à ours, c'est pas par là. Je vois vraiment pas comment y aller.
Où ça? Il y a un bruit de truc qui vibre dans le jeu, mais bon. Ça vibre aussi sur la table. Ah bah ça doit être parce que mon pad touche la table. Oui, tu m'avais raconté. Je sais pas du tout comment faire. Mais je vous avoue, je suis totalement paumé de l'araignée. Alors si quelqu'un a un truc, parce que là quelque chose me dit qu'il me faudrait ce truc là, mais je sais pas comment aller le chercher. Il y a un piège à ours que je vois bien, mais ce que je vois pas c'est comment y aller. De toute façon ça va être la mort. Est-ce que j'aurais manqué quelque chose? Mais bon. De toute façon, vu la détente du perso, c'est même pas la peine d'essayer. Oh, joli! Donc c'est l'araignée qui crée son propre piège. Ça, c'est fail. Ça, c'est... C'est honorablement fail. C'est bon. Ça passe. Donc ça, c'est une mauvaise idée aussi. Un jour, j'apprendrai à sauter, je vous jure. Là, c'est bon. Oh, il reste une patte. Il lui reste une patte. Ah là là, les pieds jaloux. Qu'est-ce que c'est marrant, les pieds jaloux. Bonjour araignée. Oh mais bordel. Ah, c'est bon là, je peux passer.
C'est passé. On a splouché l'araignée. Ok. Là, je peux juste plus bouger. Je suis juste en coconisé. Crane, je ne connais pas Crane. Platch. Platch. Oui, j'ai fait Platch. Et merde! C'est un peu compliqué de sauter. J'ai vraiment l'impression de manier un Pokémon insecte. Mais en phase larvaire, c'est très chiant. Oh, ça pue. Ah, il y avait un piège. Il y a beaucoup de pièges dans ce jeu. Stressant l'araignée derrière qui arrive. Aïe. Coucou Grand Shepard, comment ça va? J'ai cru voir salut Grant. Ouais, c'est bien ça. Ouais, on danse le limbo ce soir, enfin. Un peu plus gore que danser le limbo. Hein. Oh. On joue au pendu. Aïe.
Voilà, et c'est reparti pour les jeux de mots de l'infini. Ok, une phase de plateforme. J'aime les phases de plateforme. Oh putain. Oh mais c'est dingue ce jeu, je vous jure. Et puis je reprends carrément de là. Oh, vous êtes choupi quand vous voulez. Ce qui est bien, c'est que la plupart des pièges sont quand même assez évidents. Quoique. J'ai rien dit, hein. Il y en a qui le sont moins que d'autres. J'aime pas ça. D'accord. Ben, j'aime bien vérifier quand même ce que font les leviers. Quelque chose me dit que le frontal, c'est pas la bonne technique. Sera jamais à temps. Si. Putain. J'espère qu'ils me vont pas le... qu'ils me refont pas le coup. Là, ça va, c'était juste un caillou. Une bande de fous furieux! Ok, ça c'est... Je sens le truc qui craint. Je sens le piège. C'est... J'avais dit que je sentais le piège. Alors je me demande si je vois pas en fait. Est-ce que j'aurais raté un truc avant? Non, a priori non. J'ai réussi à esquiver le premier.
Alors c'est les deux esquivent pas pareil en fait. J'aurais peut-être pas dû attendre. J'aurais sûrement pas dû hésiter. Oh, vacherie. Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Donc c'est effectivement le jeu où on meurt en boucle, hein. Je ne vous le cache pas, ça meurt en boucle. J'essaie d'avoir une idée. Si quelqu'un a une idée, je veux bien. Si quelqu'un a une idée, je demande que ça en fait. Parce que là, je ne vois pas. Je ne sais pas, je ne vois pas et je me fais empaler là. Coucou Willou, comment ça va? Tu viens me regarder mourir en boucle, comme d'hab? Je pense que je tiens peut-être quelque chose. Mais je suis pas sûr. J'ai pas vraiment d'idée en fait. Y a pas de problème, Willou, fais-toi plaisir. Peut-être quelque chose à fouiller par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut faire un deuxième saut. Mais Colette, elle fait ça en speedrun, c'est pas du jeu. Il m'en faut même un troisième. Non, là, je vois pas. Je sais pas, il n'y a pas une option duck? Plongée, grenade! Un truc comme ça, quoi. Ah, c'est encore mieux, ouais. Et le truc, c'est que j'arrive pas à survivre jusqu'à ce qu'il tombe au sol, en fait. Si tu regardes bien. Et je meurs avant qu'il touche le sol. Non, je crois pas. Il n'y a pas de munitions. Écoute, j'ai tout fait en appuyant sur le bouton ramasser un bidule pour voir si je peux ramasser un bidule. Non, il n'y a pas d'eau. Propose d'avancer et non de reculer. Bah regarde. Non,
faire ça. Donc là, si j'avance juste, ça fait ça. Si j'avance avec un saut, ça fait à peu près pareil en fait. Si je recule et que j'avance, bah ça fait ça. Si quelqu'un a une idée, je veux bien. On peut pas courir. On ne peut pas courir en fait, c'est ça le problème. Ah bah non, il n'y a pas de bouton courir, hein. Regarde avec les boutons. Non, non, il n'y a pas de bouton courir. Hein. On va regarder les touches. Voilà. Voilà, il y a un bouton pour sauter, un bouton pour agir. Attends. Je comprends pas. Je peux pas de toute façon. Tu veux dire faire ça? Ouais, mais regarde, les pièges là ils tombent pas. C'est indépendant du bonhomme en fait que les pièges y tombent. Passez peut-être par Twitch pour vous envoyer des choses. Comment ça, c'est bloqué par Twitch? Mon problème, il est là. Il est que quoi que je fasse, je me fais rattraper par le piège. C'est fâcheux. Je trouve vraiment pas d'idée, hein. Vas-y, Spifounette. Attends, Spifounette a une idée, je veux l'idée de Spifounette avant. Je veux l'idée. Alors. Attends, reste au milieu des deux pièges quand le premier se déclenche. Je n'ai pas...
Oh putain, joli. Bon, ici, ça tombe. Ah bah oui, mais là il y a une corde. Ah, là il y a une corde. Merci Spifounette pour cette lucidité lucidisante. Je pense que c'est le terme. Je n'avais pas pensé à rester immobile en fait. Je n'avais point pensé à faire le lapin. Oh merde. Allez, fallait pas hésiter en fait. Merci Koala, mais j'étais malheureusement un peu trop tard. J'avais oublié cette araignée. Allez, c'est reparti. Cette fois, on ne se fait pas avoir. On va essayer. Allez. Alors, passer ce truc, j'ai encore. Parce que ça fait déjà un petit bout de temps. Ouais, il faut que j'arrive à grimper. J'allais faire le saut. Ben ça, je suis assez d'accord. Comment est-ce qu'une araignée peut être aussi grosse? Normalement, elle ne doit pas être capable de porter son exosquelette à cette taille. Alors là, il va y avoir une question de timing à la con. Ouais, timing à la con. Non! Oh vacherie! Oh vacherie! Ah ouais, non mais là, petit, 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 hein. Raté. Ouais, voilà. C'est l'autre explication que je vois. Putain, j'ai réussi.
Sérieux, mais ils font un timing de malade! Ah, mais en dessous de ce tronc, je me noie en fait. Rappé. Non, puis les sauts à pas arrêter, là ça devient un peu chiant en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir des sauts qui ne soient pas pixel perfect, s'il vous plaît? Voilà. Merci le caillou. Ah bah c'est le principe de tous les jeux où qui fonctionnent par essai-erreur, hein. Non, le jeu est vachement sympa. Mais par contre, c'est vrai que si t'aimes pas mourir en boucle pour refaire le même truc, c'est pas pour toi, Crantin. Et puis c'est vrai que l'ambiance est aussi super oppressante, quoi. Voilà. Non, c'était pas ça l'idée. Non, elle est pas morte. Elle est pas morte. Il lui reste une patte. Là, je me souviens qu'il y a un truc comme ça à faire. Oh, mais c'est dégueulasse. Putain, ça bouge encore. C'est dégueulasse. Monsieur, je vais encore trouver comment aller par là. Je veux bien, mais c'est pas aussi évident que ça en fait. Si je peux pas le tirer, je peux pas le pousser. On a un perso qui est handicapé mental qui sait pas ce que c'est que faire levier avec ses jambes.
Là, je peux pas prendre, je peux rien prendre. Attends, je remets mes lunettes. Ah. Parce qu'avec mon casque, elle commence à me rentrer dans le crâne. Donc. Marche pas. Ce perso, c'est pas servir de l'élan en fait. Bon. Ouais, ça avance pas plus en plus, hein. Moi non plus, mais je vois pas comment pousser. Par contre, je vois très bien comment crever. Refantasma. Non, tu veux pas t'approcher plus, tu me fais chier l'araignée. Oh, regarde, là c'est... Mais je peux pas bouger la patte de l'araignée. Non, regarde, les pattes, ça réagit pas. Je peux pas prendre les pattes. La raison, le premier truc qui me serait venu à l'idée, c'est de me servir des pattes comme levier, hein. J'essaye un peu tout ce que j'ai comme idée, mais y a rien qui marche. Là, je vois pas. Bah, je vois pas comment faire autrement. Là, je vois vraiment pas quoi faire. Je peux pas la tirer, je peux pas la pousser. Je peux pas remonter. Il n'y a rien ici.
Sérieux, je vois pas. Non, je peux pas prendre les pattes. Là, il y a strictement rien que je peux ramasser. Je vois vraiment pas. Bah non. Parce que le truc c'est que ça lâche la pâte. Bah oui, mais le jeu lâche la pâte automatiquement. Donc là, du coup, je ne comprends pas ce que je dois faire. Alors là, je comprends pas. C'est passé. D'accord. Alors ça fait 5 minutes que je m'acharne et que ça marche pas. Et puis là, d'un coup, ça marche. Je vous jure, j'ai fait exactement pareil que d'habitude, hein. Pareil que toutes les autres fois où je pouvais pas. La magie, ouais. Des fois, il y a un truc qui marche pas, tu comprends pas ce que c'est. Alors ici, attends. Non, c'était pas le bon saut. Au moins c'est passé. Faut voir le bon côté. Faut me demander comment, par contre là j'ai pas compris. Ok. Voilà. Oh non, c'est ce passage-là, je crois. Ouais, c'est ça. On a utilisé des caisses, on a utilisé du cadavre d'araignée, bah maintenant, du cadavre humain, hein. Un peu trop sinistre pour moi, je dirais. Je crois qu'il y avait un piège.
Et donc, si je me souviens bien, là, c'est le contraire. Ok! Sympa les gamins! Ils n'auront pas de sucette pour Halloween ceux-là! On file pas de sucette pour Halloween aux gamins. C'est plus simple de s'empaler. C'est vrai. Alors le truc que je reprocherais au jeu, c'est quand même les sauts qui demandent une précision un petit peu dégueulasse. Ce serait un peu plus permissif, je préférerais. Ça me gênerait moins de mourir et d'avoir des checkpoints éloignés. J'ai qu'une peur, c'est que ces trucs se relèvent pendant que je suis dessus et que ça m'écrase. C'était obligatoire le fail du saut. Non, j'aime pas les sucettes Elanie, y a pas de ça chez moi. J'aime pas l'Annie. C'est dégueulasse. Je vais quand même aller voir ce qui se passe avant de tirer le machin. Et je sais pas trop. Je suis perplexité. D'accord, donc faut trouver. Comment faire tenir l'autre? Coucou Tisha! C'est pas ça. Alors, je vais juste vérifier un truc qui semble évident. Hein. Je vais vérifier un truc qui nous semble évident à tous. Là, c'est bien la mort. On est d'accord. Je tenais à m'en assurer de façon assurément assurisante. Hein. Je voulais en être sûr.
D'accord. Oh, je suis sûr qu'on peut trouver moins subtil comme métaphore. Bonne nuit, princesse! Donc, réussir à faire ceci. Blarf Plastique. C'est tellement magique. J'aime les trucs qui demandent une précision au poil de cul au premier try. C'est d'un tel agrément. En gros, ça me fait chier, quand même. Je le dis clairement. Je le dis clairement, là c'est. Ça commence à me faire un peu chier. Parce qu'il faut totalement une précision débile. Et voilà, débile à ce point, hein. Je pense pas pouvoir dire que j'ai fait un gros fail sur le trajet de descente et ça suffit à ce que ça rate et enfin le jeu est bon, le jeu est beau. Je pense que cette difficulté là n'est pas justifiée. Ouais, pas petit à ce niveau-là, hein. Voilà, pas petit. Il est quand même assez gros le côté d'Alien Retry, hein. Là, en fait, je le trouve trop gros pour que ce soit agréable. Parce que c'est sur des trucs longs et des casse-têtes. Et en fait, j'aime pas quand le casse-tête se mêle à l'exé. Parce qu'il demande quand même une exé précise. Ça, je suis pas d'accord, les jeux indés, ça veut pas dire mettre de la difficulté n'importe où et n'importe comment.
Sérieux, la précision qu'il faut, là, ça commence à me... Il y a plein de jeux indés qui mettent pas de la difficulté n'importe où, quoi. Regarde, là, on en est une heure de jeu. Ça va faire un quart d'heure que je galère sur le même truc. Je trouve ça relou, du coup. Ouais, ça finit par passer, mais... J'en sais rien, j'ai aucune notion du temps en fait, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je galère sur ce truc. J'ai vraiment l'impression que j'ai mis une éternité là-dessus et... Enfin, je tire pas une grande satisfaction à sortir. Pas une grande satisfaction à l'avoir fini parce que j'ai compris comment je devais faire pour le finir il y a un petit bout de temps et simplement après il fallait mettre l'exé en marche et voilà. Ah bah bon ror Willou, profite bien. Ror, c'est cool. Le machin blanc, ça fait juste que je peux pas diriger la direction dans laquelle va mon personnage. Et il change de couleur avec le soleil. Avec la lumière. Parce que la Terre qui a du soleil dans le jeu, ça me semble un petit peu exagéré. Risk of Rain. Chose qui me dit qu'il va y avoir un piège, il va me tomber sur le coin de la gueule. Je vais pas comprendre ce qui se passe. Mais ça me refait le même que tout à l'heure là. J'ai toutes les directions, il n'y a rien qui marche. Donc là, ça va forcément être ce levier.
Là, je tire, ça fait rien. Je vais en bas, en haut, ça fait rien. Ça me... Là, c'est forcément le levier. D'accord, donc j'y vais au clavier, ça passe. Et au pad, ça passe pas. Attends, j'ai une idée. Parce que je vois pas à quoi il sert ce truc. Ça sert sûrement à quelque chose. Mais à quoi je ne vois pas. Oh putain, pas cool la daronne. Donc là on est d'accord. Ok. Alors, notez que je reviens un peu sur ce que j'ai dit par rapport à la maniabilité. C'est juste que ma manette était réglée en mode peu sensible au niveau du pad. Donc, ça se trouve, le jeu est moins galère à faire que ce que je pensais. C'est juste que mon pad était mal réglé. Auquel cas, autant pour moi. Et là, c'était prévisible que je me noie dans le verre d'eau, hein. Au moins, maintenant, je sais ce que je dois faire. Courage, s'il courage. D'accord, donc là le vide. Ouais, ça marche beaucoup mieux avec le pad qui a une sensibilité supérieure au minimum. Bon, pour un truc qui prend pas vraiment. Ben voilà, je trouve ça un peu. C'est vrai que généralement je règle mon pad sur pas trop sensible parce que la plupart des jeux justement il est trop sensible. Et là faut qu'il soit sensible. Bon. Soit, hein, maintenant que je le sais, les choses passent beaucoup, je passe quand même beaucoup plus facilement.
Mais voilà, ça marche pas tout à fait pareil. J'aurais tendance à penser qu'il y a un piège. J'aurais tendance à penser que j'ai raison de penser qu'il y a un piège. J'aurais tendance à penser que j'ai mal mis la caisse. J'aurais tendance à penser que c'était effectivement un mauvais positionnage de caisse. J'aurais tendance à penser que là, ça marchera mieux. Ah, c'est bon, je croyais que... Ça avance, on s'en sort. Non, ça me dit rien. Sérieux là. Ce niveau-là de difficulté. Oui, ça je te comprends. Il y a quelque chose qui me dit que j'ai fait une connerie en sautant. Il faut que ce truc saute. Je l'arrête. Je le pousse, que je monte à l'échelle. Et que j'aille me mettre là. Pas tordu, hein.
dit qu'il va pas falloir faire basculer toute l'eau. Faire basculer plus en tout cas. C'est vrai que le pseudo est pas terrible, hein. Oserais-je dire. J'allais dire miteux, mais. Torcheux, chat torcheux. Ok. Ah, c'est sympa, hein. Je vois pas. Là, il me faut de la lumière, faut que j'arrive à la lumière. D'accord. Bah tu le contres pas en fait, faut faire avec. Dans l'os. Voilà. Rate mon saut. Alors là, pareil, hein, je vois ce que je dois faire. Je sens juste que ça va être juste super relou à faire, par contre. En gros, l'idée là, c'est que j'arrive à pousser la caisse. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai pas d'idée. J'ai trouvé, c'est relou. J'ai compris. Donc là, l'idée, c'est que je fasse un aller jusqu'à l'autre lumière pour changer de sens de marche. Puis un retour jusqu'aux échelles. Que j'attende. Le temps que le tube qui est en bas
poussée par l'eau. Je saute dessus, mais là je l'ai fait trop tôt. Que j'attende que l'eau monte, que je saute dessus. Pas tordu, hein. Non, c'est pas super drôle en fait. En fait, faut que j'attende le plus tard possible pour sauter sur le truc pour pouvoir sauter sur l'autre plateforme. Pour récupérer le contrôle de mon perso. Vous avez dit tordu comme c'est tordu. C'est quand même putain de tordu ce jeu. Et merde, j'ai sauté trop tôt. Mais soyez gentils entre vous. Faites-vous des bisous et des câlins, pas de méchanceté s'il vous plaît. Ok. Alors ça, c'est les premières images que j'ai vues de Limbo d'ailleurs. Ah, faut pas marcher sur l'eau en fait. Je me souviens, c'est les premières images que... Ah ouais. Super sympa le jeu. Comment te dire, je fais pipi dans ton hamster. Je fais vraiment pipi dans ton hamster. Tu vois ton hamster, je le remplis d'urine. Ah, des trucs comme ça où ça fait du bien. Ah oui, non, mais les expressions de l'espace, tu devrais avoir l'habitude, Fantasma. Oui, je sais que c'est l'expression que tu préfères parmi les miennes. Plarf.
trouve toujours ça surprenant. Il faut pas, faut s'y faire, c'est normal. Ouais, c'était un beau splotch. Je suis passé. Non, il peut pas. Je sais, c'est triste, mais il peut pas. Et il peut pas se prendre un échevautage dans la gueule non plus. Ok, magnifique. J'adore cette connerie. Ok, quelque chose qui me dit en gros, faut déjà que je fasse tomber cette merde. D'ailleurs, tu sautes toujours pas aussi loin, plus. Tu fais pas du saut en longueur en même temps. Donc là, l'idée, c'est d'aller là pour que le truc blanc, il dise, oulala, il y a de la lumière, je me barre, je vais de l'autre côté. Pour pouvoir trouver un truc qui va... débarrasser du truc blanc. Après, c'est clair que ce sera pas mon jeu indé préféré. Ça, je vous le concède, hein. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Ah, je vois quand même pas trop comment faire, hein. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'aime pas ce que le jeu me demande de faire.
Ah, totalement. Ce jeu est totalement sadique. Le bonsaï. J'aime beaucoup la princesse si circulaire, totalement. Non, allez, je peux pas. D'accord, j'ai compris. C'était pas encore assez. C'était juste pas encore du tout assez. Au moins, j'ai compris ce que le jeu me demande. Faire encore un petit coup hein, pour être sûr. C'était pas assez loin. La 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 la. La 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 la. Ce jeu demande une grande patience. Je le savais, mais je m'attendais pas à autant de patience en fait. Non, là c'est raté. Et je suis sûr que si je fais ça trop longtemps, ça va tomber, histoire d'être bien plus drôle. Me pousser à une prise de danger, tout ça. Ah, totalement. Je suis sûr qu'il doit y avoir des modes avec Ville Coyote, hein. Ah, putain, enfin réussi ce saut de merde. Magnifique. Je sais plus à quoi ça sert, mais je me souviens que Colette le fait. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense qu'on va vite le savoir. Et je crois qu'il y avait une caisse par là-bas, j'ai compris.
Je viens de me souvenir, il y avait une caisse là. Bah bien, petit chat. Pas trop tôt. On avait besoin d'un nouveau clavier quand même. Merde, trop tôt. Ça y est, je me souviens à quoi ça sert, en tout cas. Là, raté! On l'a refait! Descends le machin, descends. Qu'on appelle faire mumuse avec des ascenseurs. Allez, on y va tranquillement et hop. Ok. J'aime pas ça. S'il y a ça, ça veut dire qu'il y a des scies circulaires. S'il y a des scies circulaires, c'est pas cool. Ça fait bouger la scie circulaire. Oula! Oh, ce massacre! Je sais que j'aime pas les gosses, mais là quand même. Ah, je veux que tu pousses, 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 pousses. Raté. Raté, c'est... C'est douloureux et relativement stressant. Ouais, les deux s'ouvrent en même temps. Je ne veux pas que les deux s'ouvrent en même temps. Je veux pas que ça s'ouvre dans ce sens non plus. Et je blaffe encore. J'opterai pour il faut de l'effet, pour il faut de l'exé quand même. Il faut de l'exé, pas ça. Je vais me mettre là. Je vais tenter ça autrement. Hein. Comment dire, c'est douloureux. Et désagréable. Voilà. Hey. Victoire! J'ai réussi! Il y a un truc bizarre qui est parti par là-bas.
Je vais éviter de suivre le truc bizarre, ça m'inspire pas confiance. Ok, ça aussi c'est un truc bizarre. Veux-tu ne pas me tuer? Alors. Donc là, il y a une mouche bizarre qui bouffe des cadavres. Je comprends pas trop ce que je dois faire. Par pas trop, j'entends pas du tout. Là, je peux pas monter, là, je peux rien faire, je peux pas retourner sur mes pas. Je le crains. Je ne sais point. Tout ce que je sais, c'est que là, je sais pas comment faire. D'accord, avancez doucement, on va tenter. Tellement magique. C'est magique ce jeu, c'est magique. Sérieusement. Donc, le truc c'est que... Ouais, c'est que je suis pas à portée de saut quand il commence à s'envoler cette saleté. On va tenter d'avancer à une vitesse de cadavre asthmatique. Va voir, hein, c'est... va voir quoi là, parce qu'on va pas passer 4 ans et demi là-dessus. Hein. Ouais, mais regarde, quand j'arrive à peu près à proximité. non, Tisha, il y a se déplacer, sauter et attraper. C'est passé des choses sur le chat du Gaming Live. Oh, trouvé! Sauf que là, je... Bah non, on peut pas se baisser. Mais c'est bon, j'ai réussi. Fallait appuyer sur deux boutons en même temps. C'est tout.
Fallait savoir qu'on pouvait appuyer sur deux boutons en même temps. Y'a pas de problème. Je comprends pas pourquoi tu fais de la concurrence en fait. T'as lancé un stream? Bah oui, bon stream. Bon, je vais voir un peu ce qu'il y a là. Ouf. Bah, de toute façon, je sais pas si je vais continuer encore longtemps, donc il y a des chances qu'on traite d'ici pas longtemps. Oh non. Oh pas ça. Pas un truc comme ça. Ah oui, mais c'est ça qui est drôle, non? C'est pas le fait de trouver le truc en simultané qui est marrant? Oh putain. Ah vacherie, je me souviens. Oh fuck! J'ai raté. On va s'amuser. Encore un truc du semi-frame perfect de l'infini qui fait chier. Dis-moi qu'il y revient. Ok, bah écoute, bonne nuit, repose-toi bien. Bonne nuit, Tisha. Si tout le monde s'en va, je pense que je vais m'arrêter là aussi. Une intuition qui me dit qu'il faut embarquer la caisse. Et comme j'ai pas envie de refaire le truc 30 000 fois, je vais embarquer la caisse. Bah, je dis que je vais bientôt m'arrêter, mais tant que j'avance, je continue, et quand je rate, je continue parce que ça me fait chier de rater, donc l'un dans l'autre. D'accord, donc là il me faut bien une deuxième caisse. Hein. On est d'accord. Jusque là ça va, on s'entend, on est sur la même longueur d'onde. Je sens juste ça plus safe de repasser. Eh, je peux pas repasser par là.
T'attends la fin de mon stream, d'accord, mais j'essaie de pas trop tarder. De toute façon, je pense que j'ai pas trop tardé, notamment pour des raisons de je suis fatigué. J'aime. Ça sent le truc qui pue. Ça sent la mauvaise idée. Ça sent tout qui tourne, j'aime pas. Oh putain. Comment je fais? D'accord. Encore un casse-tête? Comme qui dirait? Je me pose déjà une question. Ouais, je peux. C'est passé. Et merde. C'est tellement drôle. C'est tellement fun. Vous avez bien compris que pour réussir à passer, il faut s'accrocher à la chaîne. Voilà, ça. Ouais, mon dos commence à me dire aussi que va te coucher, grosse conne. Donc je pense que je vais finir par écouter mon dos. Ah ouais, ah ça c'est électrisé en plus. En plus. Parce que c'était pas suffisant. Les pièges sont vraiment de plus en plus vicieux. Là, en fait, faut que j'attende la caisse.
Cette fois, faut pas que je la lâche. Enfin, je l'ai lâché, mais faut pas que je lâche la chaîne, il faut que j'attende la caisse. Fallait pas sauter comme ça. Sauter comme ça était une mauvaise idée. Vous en pensez quoi? Je m'arrête au checkpoint suivant? Je lance le vote, hein. Je pense que je vais passer ça et m'arrêter. Faudra me forcer à m'arrêter, je pense, à un moment ou plus. Parce que tu sais que j'ai la fâcheuse tendance à persister sur un truc jusqu'à finir, puis le fait d'en réussir un fait qu'après je vais en faire un autre, etc. Tout ça, hein. Ok, là j'ai un truc que je sens pas. Si j'ai vu un gros boulet. Bam. je suis sûr que vous l'aviez vu venir celui-là de boulet. Allez hop, on l'a refait. Il y a effectivement un gros boulet et un truc à pas rater. Ça avance. Mon Dieu. Et que se passe-t-il donc? Oh non. Je suis doué pour les sauts, ça se voit. Hein. Putain, moi... J'avoue, même si j'ai déjà vu le speedrun, j'ai cru que c'était la fin, là. Donc même sans sauter, je tombe. On va essayer de faire ça mieux, hein. Un jour. Là, faut aller par là-bas. Là, faut retourner par là. Mais c'est plus la même chose. Aïe. Oh, avec les morceaux qui restent collés et qui se décollent, c'est dégueulasse. Allez, on se la refait avec les morceaux. Oh, mais c'est dégueulasse. Je pense que tu as bien raison, ma chère Koala.
Et moi, je crois que je vais cesser de m'encourager et rejoindre mon lit. Vu que là, tant que j'ai ce truc-là, je peux pas faire demi-tour. Maintenant, je peux faire demi-tour. Alors, pas mourir là. Et je comprends pas trop ce que je dois faire. Quoi? Je regarde Ghost Pine Go en live sur YouTube. C'est très drôle. Putain. Je casse l'ambiance de Limbo, désolé. C'est pas très grave. Bon. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Non, ça marche pas. Et là, le truc, c'est que si je fais ça, après, il tourne dans le mauvais sens pour que je puisse monter. Adèle est morte. Ce héros, on va l'appeler Adèle, hein. D'accord, je crois que j'ai compris. C'est totalement démoniaque. C'est juste totalement démoniaque ce truc. D'accord, bon. Si tu veux, moi je suis pas d'accord là. Attends, tu peux aller par là? Non.
Donc je sais pas à quoi ce truc va servir, mais ça va servir. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. On aura fait une bonne séance de limbo. Ce sera bien pété le dos. Et j'ai pas d'autres jeux de mots. Ah voilà. Ah c'est bien, c'est. Bon, c'est clairement pas mon jeu préféré de l'univers. Hein. Je le dis et j'assume. Ce n'est pas mon jeu préféré des multivers. Par contre, je vais voir qui que je peux raid. A priori, The Seal qui a lancé un stream, si j'ai bien suivi. Donc, je vais aller voir. Bonne soirée. Et voilà. Pour le temps que PC il arrête de ramer. Ça veut dire je meurs s'il te plaît achève-moi ce bruit là. Donc on va raid Seal. Hein. Non. T'es gentil de me faire un copier-coller quand je te dis copier-coller. Sinon on va pas s'entendre. En même temps je regarde un peu trois streams donc. En même temps donc... Et voilà. Voilà, je vais couper le stream ici, couper ça, couper ça. Des bisous, ça. Salut, bonne nuit et ça à demain. Bien.